Bonjour à toutes et à tous, c'est Orange 88 et je vous retrouve pour le troisième épisode sur l'event anniversaire de Mobius Final Fantasy. Et donc le premier anniversaire, vous pouvez le voir. Donc on est reparti pour découvrir encore de nouvelles zones de... Ah non. C'est-à-dire une nouvelle zone de farming. Non, c'est peut-être pas sûr. C'est une zone de farming, enfin farming entre guillemets, que finalement à faire toutes les zones en fait. Oh, ça tombait pile poil, ça faisait juste un nombre d'objets nécessaires pour atteindre, pour pouvoir débloquer les zones justement bloquées. Donc en fait, réellement, j'ai pas vraiment fait de farm vraiment encore. Hein. Là, le farm, je vais le faire principalement pour les cartes anniversaires en fait. Par contre, du coup, ouais, une carte que je vais monter, une carte anniversaire, j'ai monté 4 étoiles. Si je réobtiens cette carte anniversaire qui a up, est-ce qu'elle sera en mode up ou est-ce qu'elle sera 3 étoiles? Que par rapport à la news, il me semble qu'elle reste en 3 étoiles. Mais je dis peut-être une bêtise. Ah, Magilite, où êtes-vous, Magilite? My dreaming when I sleep, thanks. Oh, are you sleepy already? Like me to sing you a lullaby? Yeah, actually. You can sing all you like after I fall asleep. Oh putain. Oh là là, c'est très parti quoi. Est-ce que non? Est-ce que non plus? Bah d'accord, OK. Un pied de face. Allez, petit Gilgamesh, combat numéro 3. Oui, je sais pas pourquoi je fais... Pourquoi je fais un 3 avec les doigts alors que je me filme pas. Complètement... complètement bête de ma part. Hein. Après, ouais, techniquement je pourrais, mais flemme. Bon, autant par rapport au jeu qui est fait, si vraiment il y a des espèces qui sont pas du tout utiles, pourquoi pas. Mais là, techniquement, non. Enfin, quoi que ça pourrait dire le. Côté où là où il y a l'aide, bon. Mais non. Et ben dis donc, allez, Gigamesh. Qu'est-ce que tu as nous à me dire cette fois-ci? Voilà, t'es mort. Non? Pas encore? Si. T'es obligé. Enfin, t'es mort. T'es vaincu plutôt. Et un saut de Gilgamesh supplémentaire.
Muramasa, plus un. Yes. 200 magie, c'est cool aussi. Ah, même pas un petit discours, un petit... Non, que dalle. Bon, bah... Aïe, oulala. Ah bah j'ai sa faiblesse, nickel. Ouais, en même temps il faut ce qu'il faut hein. Allez les ennemis! Mourrez tous! Mourrez, mourrez, mourrez tous! Et mourrez tous! Et mourrez tous! Mourrez tous! 4-3? 3-3, je sais pas. Je vais dire, et pourquoi pas 3? Allez, 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 allez. Oh, déjà fini. Ouais. Et cristal. J'apprécie. What are we doing later? We'll make a pilgrimage to the runic temple at the summit and pray for you to become the warrior of light. We're climbing a mountain in the dark. Sounds dangerous. Oh, very. And I'm sure there'll be fiends aplenty. That's a gauntlet, not a pilgrimage. Ben oui. Mais tu connais Echo, tu sais comment elle est, hein? J'ai fait exprès de te de tester. Alors. Lec. Que je vais mettre. Bah oui, toi. Vu qu'il faut que je t'upgrade. On va déjà t'upgrade le niveau. Et la compétence, on verra après. Bon. Allez. On est parti pour de l'escalade, hein. On va grimper jusqu'au temple. Oui, il faut que je profite de d'être sur les jambes obus encore pour maximiser ma progression. Et économiser en même temps les élixirs. 5 tickets de compétences, eh ben dis donc. So when did this sacred birth festival begin anyway? Try to guess. Well, given this is Palamecia, I'm going to guess that no one remembers when the festival began. Correct. We in Palamecia aren't overly concerned with what's gone before, you might say. Seems like you could stand to be a little concerned at least. Isn't the Sacred Birth Festival time for washing away the past? How much forgetting does one past need? We seek to forget the past because there's so much that we do not care to remember.
That is the story of Palamecia. If you don't remember the past, don't you repeat it? Averting your eyes whenever something goes wrong hardly sounds like a way to solve problems. Easy for you to say. True though it may be, most people aren't as strong as you. Most people can't handle the darkness by themselves. They need a light to follow. They need someone to give them hope. And I guess that job falls to the Warrior of Light. It's quite a burden to bear. Oui, c'est pas... Oui. Comme tout ce qui est dans le passé, on s'en fout. Donc, enfin, tout le monde s'en fout. Forcément, ça aide pas. Donc forcément, ben, ils font ça et depuis quand ça existe, on s'en fout, on est là pour faire la fête, pour tout oublier, une fois de plus. Normal quoi. On a croisé Garland. Bon, par contre, c'est triste. Garland, c'est le seul en croisant qu'on a eu qu'on a eu une discussion écrite, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait que je lise les propos, quoi. C'est un peu dommage, mais bon, pas grave. To the runic temple? Yes, praying with each solemn step you take. Oh, please let me become the next warrior of light, like that. I'll pass on the praying. Huh? First of all, since when does a warrior of light pray for someone else's permission to do anything? A warrior becomes what they are on their own, by their own strength. Well, that's true, I guess. So no climbing to the temple? It's optional. I don't see the point in forcing you to go if you're not even going to pray. That's new. Haven't you been forcing me to do pretty much everything so far? I have merely shown you the path. It was you who took step after solemn step to get where you are. I don't recall anything solemn about it, or purposeful for that matter. So you just drifted along and wound up here? Is that it? Isn't that how this started? Me winding up here, no idea why or where I came from? And still, you managed to fight your way this far. It's very impressive. But there's no point getting all serious about things now. If free willing's the way you want to go, free wheel away. Let's save climbing the mountain for later and just enjoy the party for now. It's a plan. That mountain's not going anywhere anyway. Armée de fielleux, une montagne de problèmes. Partez à l'assaut de la montagne et terrassez les fielleux pour récupérer des objets clés de trois types différents. Deux voies de difficulté différentes s'offrent à vous. Alors choisissez celle qui correspond le mieux à vos capacités. Oh. Non, la mission fiévreuse. Voilà, un petit peu tous les bobos. Bon, ben voilà. On a le visuel jusqu'à la fin. Oh, et après, ah oui, c'est vrai qu'on a les zones privilégiant, en fait, les trucs, ok. Non, je vais pas me plaindre. Je sais pas comment ça me plaint sans savoir si au niveau des récompenses dans les coffres c'est pas prévu pour avoir pile poil le bon nombre en le faisant une fois. Hein? On va pas faire la même avec les Koyoka.
Bon, les fielleux. Effectivement, c'est fielleux. J'avais presque oublié. Ils sont méchants, hein, tous. Ben oui. Trois élixirs. Ah oui, en même temps, c'est le nombre qu'il faut un petit peu, j'ai l'impression. Oh, j'étais full résistant. Déjà le troisième? Ouh, il y en a une petite armée là. Et voilà. Bon. Quoi que. Ouais, je sais pas. Ouais, si on part avec un. Allez. Ben, jeter du chasseur. Ouais, je pense que je vais avoir le temps de tout de faire de finir la mission de Fielle. Et donc ouais, une fois que j'aurai fini ça... Ah, ben, du coup avec le Temple Runique, à mon avis, je vais finaliser la première partie. Ça va être triste après. Tant de temps passé dessus. On est d'accord.
Bon, pour l'instant, tout se passe bien. Ben oui, ça m'étonne pas, mais bon. C'est censé être une map qui se mettait en fond. Mettait à fonction de son niveau. En fonction de son niveau, pardon. Poiton, je sais pas. En fonction de son niveau, bon, ben. Du coup, c'est quand même grandement simplifié. Hein. Ouais, donc je vais avoir largement assez. Allez, le gros combat de boss. Ouh, 6 combats en plus. Alors, oui, bah ça va être une protèque. Là, c'est bon. Ah, bientôt le combat de boss avec un groupe hétéroclite. Voilà, petit fielleux. Voilà les quatre éléments de base avec des petits chapeaux, on les reproduit. Voilà déjà que ben pratiquement ouais ils ont fini déjà bon en même temps ouais. Vu ce que j'ai aussi comme classe aussi et mon niveau c'est normal ça être... Par contre du coup ce qui est dommage avec les ou avec les flashbacks par rapport à l'histoire. Bah du coup c'est que pour ceux qui ne sont pas encore à ces niveaux là dans l'histoire, bah ça les spoil. C'est un peu dommage ça par contre. Nomado, ah. Et pneu de terre. Ouais d'accord. Comme ça une pneu de chac. Bah pourquoi pas après tout. Ouais, pourquoi pas. Allez, un petit mage. N'est pas du tout encore ma classe privilégiée. Bon, les combats, ça va être à peu près similaire à ce qu'on a fait auparavant. Hein. Je vous rassure, ça va se passer aussi vite. Bon, la voix du mage.
écoute. Ouais, peut-être aussi que je pense à faire de upgrade, à faire débloquer les traits quand même d'une carte. Surtout celle que j'ai utilisée. Ça pourrait être sympa quand même. Les magiciens. Allez, on va obtenir lesquels de Pneuma. Avec la voix du mage. C'est une bonne question. Allez, encore 6. Bon, du coup, optimisation, ouais, voir ça. C'est très bien ici. On va même lui faire de l'accélérer, mais bon. Eh, mais ça en fait tout ça des bâtons de druide. Pneuma de feu et pneuma d'ombre. D'accord, on va avoir un type de pneuma de chaque. Bah, c'est quand même assez, assez drôle quand même cette histoire. Au départ, ça, la première mission, c'est une toute petite zone toute rikiki. Les Koyoka c'était tout rikiki. Après on a les Chocobo où c'est
beaucoup plus espacée l'émission. Et les fileux par contre là c'est ça prend limite le quart de la map quoi. Bon, même, voire peut-être même le tiers en fait. C'est n'importe quoi. Je peux faire plusieurs petites régions comme les Koyoka. Mais bon, ils ont pas voulu, c'est pas grave. Bon, du coup, est-ce qu'il va falloir que je farme exprès ou pas? Ça, c'est la question. La voix du guerrier, c'est un peu chaotique quand même. Hein. Il est un peu parsemé d'embûches, je dirais. Qui manque de pneumat de lumière et pneumat de terre, non pas de terre, non, terre, je l'ai eu. D'eau, je crois, non? Ouais, c'est 888 000, là, 888. Ok, ouais, je pense que je n'ai pas m'inquiéter, à mon avis. C'est prévu convenablement. Bon, section d'eau. Toujours. Troisième combat de boss avec les quatre éléments basiques. Que de surprise!
changerons de carte après le prochain combat, c'est bien. C'est quoi ces valeurs? C'est n'importe quoi. Oh putain. Nomadaire. Ah bah si, nomadaire, tu vois, j'avais dit. N'importe quoi, moi. Comme d'habitude. Ah! Je n'avais pas remarqué, mais on a le combat numéro 4 contre Gilgamesh. Dans les vétérans, fiez-le. Ah, petit Gilgamesh, j'arrive! Combo hypercut. Ouais, vas-y. Combatte-moi. Laisse après. Même pas. Ben voilà. J'ai fait une annonce et ben je me suis planté. Ça m'apprendra à être optimiste. Une amulette de moi 4 étoiles. Bon, bah j'en ai des amulettes de Mog, tu pourras faire de l'upgrade. Bon, on aura que je fasse de l'upgrade. Ça, oui. Allez messieurs, oui, allez. Allez, on se dépêche. Bon, c'est surtout long, hein. Pardon. Je sais pas pourquoi je me suis mis à faire la sorte. On y va franco, hein. Et après, il y a un combat numéro 5 contre Gilgamesh au temple runique. Intéressant. De toute façon, vu les niveaux, tout devrait être une simple formalité. Voici.
Mais si je termine la première partie là, il faudrait que je reste sur le même principe de durée pour la partie 2. Rester raccord, sinon ça va pas aller. Station 4. Ouais, c'est bon. À l'aise, hein. À l'aise Pascal. Pour changer de à l'aise Blaise avec le classique. Allez, petit Gilgamesh. Oula! Ah oui, quand même! Oh, la violence! Oui, là, il a. Désolé, Gilgamesh, là, je t'ai fait douiller. C'était pas volontaire de ma part de te faire douiller autant. Deux sésames d'argent. Allez, crête du chasseur. Oh punaise, la consommation d'endurance. Attends, on va voir un petit peu ce que je vais obtenir. Hein. Eh bien, j'en ai de l'eau. Là, je suis pas en manque. Hein. Très bien tout ça. Oh, double F. Eh ben du coup ouais, j'aurais fini, ça va prendre du coup bah 3... ouais, 3 heures c'est ça. Ouais, je lance un poil, on est d'accord, mais là c'est ce que ça va faire à peu près hein. Allez, pic du chasseur, 14 d'endurance, 6 combats. Voilà! Quelque chose qui. Quelque chose de quoi d'ailleurs? C'est vrai que le temps défile à une vitesse! C'est ça aussi que d'enchaîner les. Que de tout enchaîner, hein. Clairement.
presque du 3e non-stop en même temps. Maintenant, vu le jour qu'on est, j'ai un peu obligé vu que sur le dernier jour. Sur le dernier jour Mobius. Forcément, si je voulais avancer efficacement sur la première partie d'anniversaire, eh bien je me devais de le finir le jour même. Voilà, des AOE, toujours des AOE. Oui, il se booste, mais bon. Je sais que je suis tranquille totalement. Allez, groupe. Bah oui, le groupe. Ah non, groupe. Ah, ils sont 6 cette fois-ci. Ils sont tous de la partie cette fois-ci. Bon, il se booste tout seul, ok. Alors. Bon, tu fais pas un peu d'AOE là? Voilà, c'était le mieux à faire quand même, les AOE. Bon, ben ça passe tout seul. Alors, combien? Ah, Pierre, qui est le. Effectivement, toi, je t'avais pas eu encore. Bien sûr, hein. Elle a une tripotée. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir encore des pneumas ou de la lame de pierre? 300 magiites, ah oui c'est vrai. Des magiites. Bon. Par contre, oui, carte là. Là vous voyez ici les Kuyoka, on va les garder comme j'ai pas. Je peux faire les bombos mais on va essayer de pas être trop gourmand non plus quand même. Allez, crête du mage. La crotte. Donc ouais, ça passe. En auto ça passe, mais c'est. Et ça pourrait être me porter préjudice quand même. Histoire. Thank you.
Eh ben non. Ah, j'ai pas vérifié. J'avais suffisamment d'objets ou pas. Vu les nombres, y a pas ce qu'il faut, c'est qu'il y a un problème. Ouais, c'est scripté, oui. Sûr, c'est scripté. Pas besoin de s'inquiéter plus que ça. Allez, allez, courage, courage, guerrier de la lumière, tu vas y arriver, tu peux le faire. Peut-être pas que je joue trop avec le feu non plus. Ouais. C'est pas là. Quoique, pour l'instant, c'est pas trop mal. C'est pas vrai. N'importe quoi. Au point où j'en suis. Voilà, comme ça, moi, c'est fait. Et du coup, nouveau record. Juste pour avoir fait deux petites actions. Ouais, ça me bat, moi. Les bâtons de druide. Et donc 300 magites. Sûr. Allez, plus que 3 missions pour finir avec cette première partie d'event. Enfin, finir. Peut-être. Oui, non, il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas. Quoique. Ah, je sais pas.
Ouais, du coup, je suis un peu en lutte pour prendre. Ah. Ouais, je pense que là, il faut finir cette tournée. Je pense que j'ai un bon petit repos. Hein. Oui, il était temps que ça chope quand même un peu de. Quand est-ce que ça fait une PV donc. Ah, ça doit avoir une. Ah, c'est peut-être la carte de. Rien que j'ai. Non, c'est pas ça. Non, ça n'a rien à voir. Bon, c'est juste les points de vie de base. Je ne sais pas que j'ai tout. Allez, l'avant-dernière mission. Quoi? Je sais pas pourquoi, mais je sens bien venir le... Les trolls, genre... Oh, mais il y a encore des petites zones à faire. Ah, par contre, c'est peut-être la carte de soutien là. Quoi que, je sais même pas si. Ouais, je sais pas. Cinq en plus. On l'a fait, c'est bien. Voilà, pas moi. Je suis prêt pour la confrontation finale. Enfin, pardon, pas finale. Presque finale. Voilà, comme on n'en parle plus. Ah, bien sûr, toi, tu enquiquines tout le monde. Et non, j'ai encore fait un retour. Bon, pas possible. Ah, oh, punaise, à une place, j'étais en quintuple 1. Bon, c'est pas grave, je vais me rattraper sur la dernière. On s'en agilite. Débloquer route. Fielleuse accomplie. Youpi. Faire ça.
Bah tant pis, je vais prendre le risque de couper maintenant. Voilà. Et espérer que bah, pour la fin de cette première partie, ce ne soit pas juste trois missions qui se font après. J'aurais un peu bête, mais bon, tant pis. Je cours le risque. Donc, je vous dis à très vite pour la suite et la fin de cette première partie de l'événement de l'anniversaire. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde.